en tant que porte-parole de l'association Festin Humour, qui organise le Festival international de l'humour et la joie. Nous avons 9 ans d'existence et nous sommes là pour nous amuser un petit peu. Le festival était au départ le Festival international de l'humour, mais maintenant on a ajouté un mot qui était essentiel à notre vie en tant qu'étranger en Suisse, c'est la joie. Alors, nous l'avons appelé et rebaptisé Festival international de l'humour et la joie. Ça fait donc 9 ans d'existence. On a voulu faire un festival international de l'humour un peu critique, oui, mais essentiellement culturel. Et on a ajouté, comme je vous ai dit, la joie, parce que dans l'humour, il n'y a pas seulement les expressions artistiques telles que les mimes, les théâtres, les contes, les clowns, etc. Nous avons pensé qu'il y avait aussi la place pour la danse et la chanson. Alors nous avons commencé petit à petit à faire contact avec des artistes locaux ou d'ailleurs qui se sont solidarisés avec l'idée du festival et qui viennent pour la plupart bénévolement, qu'ils soient professionnels ou non. J'ai commencé à jouer la guitare à l'âge de 15 ans. Je m'intéressais toujours à la poésie. J'ai commencé à écrire mes propres chansons. Maintenant, j'ai plus de 300 chansons écrites. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, la musique, et chanter mes propres chansons. M'exprimer par la musique, c'est très important pour moi. Je connais un des organisateurs et il est aussi colombien comme moi. Il m'a contacté et oui, j'ai accepté. Ah ben, la Mosaïque, c'est un espace interculturel. Aujourd'hui, nous accueillons ici à le Festin Humour. C'est une activité qui s'est faite dans toute la Suisse. Alors, nous participons de manière active. On a passé une bonne soirée ensemble. Ce qui nous motive, c'est les échanges interculturels. Et c'est aussi une plateforme pour faire connaissance. Et l'esprit, c'est l'échange. Et les raisons. Bésame, bésame. Notre travail, c'est vraiment de trouver l'intégration, mais pour de vrai, par la base, en allant vers les communautés. Et pour cela, nous travaillons en 3 voies. Le festival, les artistes et la communauté. Et voilà comment on commence à travailler donc, dans la solidarité, l'intégration et pour but final, la paix.